Salutations, je viens de voir le dernier épisode d'Aventure et du vendredi 19 juin, je viens de regarder ses réactions à chaud et je tiens à dire que cet épisode ainsi que les derniers épisodes, tout cet arc de fin de saison avec le Titan, ces épisodes sont énormes, avec de l'enjeu parce que un putain de Titan qui arrive, le père de Bob, l'élémentaire de lumière, tout ça, c'est un enjeu incroyable et puis dans cet épisode... Enfin, si vous l'avez pas vu, attendez de l'avoir vu pour regarder cette vidéo, même si elle est très courte, c'est une réaction à chaud. Vous dire à quel point je suis admiratif du travail de Maya, moi-même qui fait un peu de MJisation, je suis très loin de son niveau, je me sens ridicule à côté, parce que le fait que Grunex, on a enfin l'explication d'un truc de l'épisode spécial de Grunex de début de saison 3. D'ailleurs, ma théorie que j'avais eue à l'époque où la femme en face du Titan était l'elfe du tout début de la série, l'épisode 1 de la saison 1 d'Aventure, je croyais que c'était cet elfe, je me suis gouré. Bon, en même temps, on n'avait pas beaucoup d'infos, c'était difficile de deviner. Du coup, avoir réussi à prévoir sur toute la saison que Grunex se retrouve en situation de voir cette scène, c'est un travail excellent de la part de Maillard. Donc cette fête saison est énorme. Et quand elle sera finie, je me ferai un épisode récapitulatif et plus travaillé. Je remettrai tous les épisodes d'un coup avant. Bref, la sélection à chaud, vraiment, pour dire mon admiration, pour dire merci à Aventure. Vous êtes géniaux.